Alors, bon matin, mesdames et messieurs, et bienvenue en si grand nombre. Et on tient à vous remercier tous et chacun, non seulement les partenaires, mais surtout nos amis des médias. C'est très apprécié. Pour une fois, le Canadien n'est pas à un point de la finale. On a un peu de levier pour vous présenter cette équipe qui est quand même unique en son genre ici, surtout au Canada. Et c'est une équipe qui a une belle histoire. Plusieurs dames de cette formation se sont rendues dans les plus hautes sphères du cyclisme et d'autres qui sont toujours de la formation sont encore concernées par ce fait. Et on va en rencontrer quelques-unes qui, d'ici quelques années, deviendront des noms bien connus sur le circuit international et bien sûr national. C'est la présentation de la formation 2014 de SAS SAS Mazda Makogep propulsée par Specialized. Et on tient à les remercier encore une fois. Il est difficile dans ce monde de quai 2014 de trouver des partenaires fiables. Et une des forces de cette formation, c'est que justement, il y a des noms qui se répètent saison après saison. Et on tient à les remercier énormément de leur présentation de l'équipe. Et surtout, on tient à dire un beau bonjour à ceux qui se joignent à nous pour la saison 2014. Et encore une fois, le cyclisme est toujours un peu un sport marginal quand ça vient à la commandite. Et donc, très difficile de compétitionner dans des marchés comme celui du Québec et bien sûr de l'Amérique du Nord. Et donc, l'importance d'avoir ces partenaires, merci infiniment. Avant de passer au discours, aux choses un peu plus administratives et bien sûr d'importance capitale, on va débuter avec les dames. Nous allons vous présenter cette formation 2014 qui parcourra les routes du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord et certaines d'entre elles parcourent déjà les routes des plus grands tours et des plus grandes courses européennes. On vous en parlera dans quelques instants. Alors voici, mesdames et messieurs, on va vous présenter à l'instant les dames alors qu'elles arrivent rien de moins qu'en vélo aujourd'hui avec ces superbes machines Specialized et bien sûr avec les nouvelles couleurs. Soit dit en passant, félicitations. On avait un thème depuis quelques années, là, on a varié un petit peu, c'est très très beau. Alors, pour commencer, on va vous présenter celle qui a remporté en 2012 le championnat junior québécois du Critérium, première au championnat québécois du contre-la-montre. Évidemment, elle a remporté une dure épreuve lors du Grand Prix de Charlevoix dans le froid, dans la pluie. Veuillez accueillir Roxane Pépin. Bonjour Roxane, bienvenue. On va t'inviter à prendre place ici. Un autre visage bien connu du paysage et de cette formation cycliste. L'an passé, elle a connu vraiment une saison incroyable. On se rappellera tous son exploit lorsqu'elle était coureur cadette. Si je ne me trompe pas, elle avait gagné le contre-la-montre lors des championnats canadiens au niveau junior lorsqu'elle était surclassée. Mais ses exploits, évidemment, l'an passé aux Jeux du Canada avec deux médailles d'argent, bien sûr, au Critérium et également à la course sur route. Adrienne Provost qui est de retour cette saison pour la formation. Qui est avec nous pour 2014, un bel ajout à la formation. Bonjour, Adrienne. Adrienne également d'une famille cycliste. On connaît bien son père, Éric, aussi, qui est cycliste chez les maîtres. Nouvelle membre de la formation, troisième au classement général du Tour de Bonus, quand même une course assez difficile du côté de l'Ouest canadien. Également première au prologue du Banff Bike Fest, et toujours une épreuve très difficile puisque c'est très montagneux. Première à la poursuite en équipe au championnat panaméricain, tout de même, c'est rien de moins qu'un championnat panaméricain très important. Et on aura justement les Jeux panaméricains ici sur une nouvelle piste en 2015 à Toronto. Veuillez accueillir, please welcome Christy Lay. Good morning, Christy. Deuxième au critérium des mardis cyclistes au classement général. C'est une spécialiste d'ailleurs de ces épreuves. Elle a également remporté le championnat québécois en 2013 de cette même discipline et a remporté une autre course difficile, très différente d'un critérium, soit le Grand Prix de Pont-Rouge. Veuillez accueillir Rosalie Cardin. Bon matin, Rosalie.
On accueille un visage qui est vraiment l'avenir de cette formation, il faut le dire. C'est une jeune dame qui, depuis quelques années maintenant, se manifeste autant dans les critériums que sur les courses sur route. Troisième du Grand Prix de Charlevoix, comme je vous disais l'an passé, ça avait été une course digne d'une Flandrienne ou d'une classique de printemps, des mauvaises conditions météo, le froid. Elle a remporté également le Grand Prix de Granby dans sa catégorie. Quatrième lors de la course sur route au championnat canadien et également tout juste en bas du podium lors du contre-la-montre. Mais je suis fort convaincu qu'elle se retrouvera sur une de ces trois marches cette année. Marie-Ève Poisson. Bonjour Marie-Ève. S'ajoutant à la formation cette année, une dame qui, malgré ses peu d'années d'expérience en cyclisme, fait déjà belle figure sur le circuit québécois. Nationale et internationale. D'ailleurs, elle part le 17, si je ne m'abuse, pour la Flèche Wallonne féminine, qui est une des courses, évidemment, une des classiques printanières en Belgique, et amène avec elle un lot d'expérience des dernières années où elle a remporté le Grand Prix de Brossard. On l'a vu également troisième à la course au point, à sa première tentative sur piste au championnat canadien. Veuillez accueillir Catherine Dessureau. Bon matin. Et malheureusement, absente aujourd'hui, Stephanie Rorda, qui est d'ailleurs déjà en Europe présentement avec l'équipe nationale canadienne. Elle qui s'élance sur, je pense, c'est 6 ou 7 courses lors de cette étape printanière. On a également Anne-Marie Bémorin, qui va être un rouage très important de cette formation. Et justement, avec les examens de fin de session et les élections la semaine passée, tout est décalé et elle devait déclarer donc forfait aujourd'hui pour sa présence, mais seront d'une importance capitale lors des courses cette année. Encore une fois, Stephanie Rorda, une dame qui a beaucoup d'expérience, j'ai remporté des médailles au championnat panaméricain sur piste, l'équipe de poursuite et plusieurs titres, évidemment, dans les courses sur route. Et Anne-Marie, on connaît première au contre-la-montre par équipe à Saint-Basile, deuxième sur la course sur route du Grand Prix Sainte-Martine en début de saison. Alors, une dame d'expérience, on l'a vu beaucoup lors de ses années un peu plus jeunes, au Mardi Cycliste, cette série, bien sûr, de Critérium, pendant 10 mardis, dans l'arrondissement de la Chine, dis-je bien. Alors, voilà l'équipe, mesdames et messieurs, la formation 2014 de SAS Mazda Makogep. Et félicitations, mesdames, et bonne saison. On pense à vous! Et sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole au fondateur de cette formation, un homme extrêmement dévoué. Il est également le président. Je tiens personnellement à te remercier, Gérard, pour le travail que tu fais depuis quelques années. Tu crois en le cyclisme féminin et tu es en train de créer un précédent que bien des équipes, je crois, vont suivre ici en Amérique du Nord. Alors, mesdames et messieurs, Gérard Penaroya. Oui, alors merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Écoutez, moi je voulais d'abord faire un petit tour juste pour remercier surtout la Fédération québécoise qui nous supporte depuis des années et des années. Je pense qu'elle est vraiment derrière nous pour essayer de faciliter le développement de nos athlètes, avec l'équipe nationale aussi qui nous permet aussi de pouvoir amener nos athlètes à des compétitions où nous on ne peut pas nous être représentés. Car on n'a pas la sanction UCI en 2014. Pardon. Et donc, c'était vraiment les deux premières personnes, je pense, qui sont très importantes au sein d'une équipe là, pour le développement d'athlètes. Et je ne voudrais surtout pas manquer de mentionner aussi au niveau de la presse. Sans la presse, là, c'est certain qu'on n'aura aucune visibilité. Malheureusement, le côté féminin n'est pas assez développé encore dans le cyclisme. On a eu une petite lacune depuis quelques années, depuis que la Coupe du Monde à Montréal n'existe plus. On se bagarre toujours, tous les jours là, pour essayer de se faire montrer, de se faire valoir avec des grandes valeurs comme nos athlètes. Donc, sans la presse, là, je pense que ça serait un peu plus difficile d'opérer. Je voulais aussi... On est la plus ancienne équipe au Canada. On est la deuxième plus ancienne équipe en Amérique du Nord. On a juste une équipe qui est Tipco, qui a un an de plus que nous. Et donc, on est vraiment dans le top mondial au niveau de les plus anciennes équipes. Là. On est en formation depuis 2006. Et avec Specialized et Mazda, qui ont été nos deux premiers supporters depuis le début, on a développé des produits féminins et puis des valeurs de la formation féminine de tous leurs produits, autant chez Specialized
que Mazda, parce que Mazda est un partenaire là, qui veut développer au niveau féminin de la vente de leurs véhicules, qui, je pense, est très important aussi. Nous avons eu aussi dans notre formation, depuis 2007, on a eu beaucoup d'athlètes qui sont passés par nos rangs, comme Clara Hughes, qui a couru la Coupe du Monde avec nous à Montréal, qui a fait plusieurs grosses courses avec nous. Et maintenant, tout le monde connaît Clara Hughes, je n'ai pas besoin de la présenter, je pense que c'est important. Ça a été important pour nous d'avoir un passage avec Clara, ça nous a donné vraiment le pouvoir et le droit de continuer d'amener des athlètes. Quand on voit le cheminement de Clara, ça nous motive de plus en plus définitivement à aller là. On a eu aussi Tara Whiton qui était en 2010, qui était championne du monde de l'Omnium, qui a été une année avec nous aussi. Donc on a eu des athlètes de haut niveau avec Kasia Pawlowska qui a été aussi en 2013 championne du monde de scratch. Donc on a eu des athlètes de très haut niveau. On a eu des cheminements de développement comme Caroline Canuet maintenant, qui a signé avec une des plus grandes équipes au monde, avec Lululemon, et elle a passé pendant 4 ans avec nous. Donc son cheminement a été graduel et de longue année lui reste devant elle définitivement. Là. Et donc nous, c'est certain que notre mission, c'est de développer des athlètes pour les amener à leur plus grande satisfaction pour les Jeux Olympiques, qui est leur ultime espoir de pouvoir performer avec la détermination qu'ils ont. Et que je voulais vous dire ça. Merci beaucoup, Gérard. Et pour nous dire quelques mots, je vais inviter à l'instant M. Michael Desilet, vice-président de la formation. Et Michael, un autre rouage important et partenaire de Gérard dans cette belle aventure. Merci, Randy. Tout comme Gérard le disait, sans le concours de nos partenaires financiers, commanditaires, ces choses-là, ce serait une aventure totalement impossible. Gérard mentionnait Specialized et Mazda qui nous ont aidés à donner nos premiers coups de pédale. Sans leur vroom-vroom, on ne serait absolument pas capable de se déplacer autant en Amérique du Nord qu'aux États-Unis. Et sans Specialized, bien entendu, donner des coups de pédale dans la ville, là, ce serait impossible. Cette année, plusieurs d'entre vous doivent se demander SAS ou SAS Canada, c'est qui? J'ai jamais entendu parler. Alors, simplement pour vous dire que c'est une compagnie internationale, privée par surcroît, et elle est un chef de file dans le monde entier, dans le domaine d'analyse de données de tout genre. Alors, ses solutions et ses logiciels sont utilisés à travers le monde entier, autant dans le domaine bancaire, le domaine de l'assurance, et aux différents paliers gouvernementaux. Alors, c'est leur support financier est, pour nous, et sans contredit, un atout inestimable, et on les remercie énormément. Macogep, une firme de génie conseil, tout comme O4 Sommet, dont ils seront les hôtes d'une nouvelle et superbe course dans la région de Lanaudière. Très bientôt, nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer. Jolie firme, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi pour dire que sans contredit, Stéphane Tremblay a fait un travail magnifique sur nos voitures et je ne sais pas comment il s'y prend, mais année après année, il trouve le moyen de donner un look d'enfer à nos fabuleuses Mazda CX-5. La compagnie Natura et ses produits de base Soya, Infinity qui supporte l'équipe masculine, UCI Pro, Garmin Sharp, nous aideront nos porte-couleurs à bien s'alimenter, à se réhydrater durant et après les longues courses. Exact Nutrition avec leur produit phare Fruit 2 aideront nos athlètes encore une fois tout au long des différentes épreuves. Les vêtements à la casse qui ont conçu et dessiné nos maillots cette année. En passant, la casse, pour ceux qui ne sauraient pas, je veux dire, les Japonais qui sont friands de belles marchandises sont totalement, ils craquent totalement pour la compagnie de la casse. De plus, ils nous ont choisi comme représentants de leur prestigieuse marque. Itergy Informatique, dont le support financier nous aidera à couvrir une multitude de frais. Nous avons aussi Cycle Saint-Laurent et leurs équipes de mécanos chevronnés qui vont s'occuper encore une fois de notre flotte de vélos pour que ceux-ci soient top-notch. Excusez l'anglicisme, qu'ils soient
performant? Nickel. Nickel, oui, c'est bien. La ligne de produits Finish Line qui, justement, va aider à l'entretien des vélos pour que ceux-ci soient, que la peinture soit, qu'elle brille. Nous avons aussi le Domaine des Ducs, un vignoble excellent que je vous invite à découvrir, dont le support financier est très apprécié. Lanto, distributeur du leader européen de lunettes sportives Jules Beau, et qui prend encore une fois nos coureuses cette année. L'agence internationale Mazda, avec qui nous développons un partenariat international justement pour nos futurs déplacements, autant en Amérique du Nord qu'en Europe. Usana Health Science, en sachant combien il est évident de bien s'alimenter, nous croyons qu'un leader de un leader mondial dans le domaine ne pouvait faire autrement que de nous supporter. Ils sont avec nous déjà depuis quelques années. Et puis, finalement, pour trimballer, pour déplacer tout ce matériel, tous ces beaux vélos, mais qui d'autre que tous les chefs de file dans le domaine des supports de vélo. Nous tenons aussi à remercier la Banque Scotia pour un support financier très apprécié. Et sur ça, je crois que je fais le tour. Ah, merci. Il y a Imagix, pour qui, si jamais nous arrivait un pépin qu'un de nos coureurs faisait une chute ou n'importe quoi, ils vont nous aider dans le support, dans les radiographies, trucs du genre. Et ainsi, Genitori, qui est une agence de commandite européenne. Je crois avoir fait le tour, si j'en ai oublié, je m'excuse. Merci, M. Desilets. Alors, on connaît un peu les partenaires, on connaît un peu la structure maintenant financière et comment on supporte. Et encore une fois, comme on disait, c'est une tâche astronomique, incroyable de trouver ces partenaires qui, année après année, supportent le cyclisme et surtout le cyclisme féminin. Mais maintenant, ça prend un support physique, ça prend quelqu'un qui est en mesure de diriger les athlètes au niveau de leur entraînement, au niveau de leur travail en tant qu'équipe, parce que, bon, la gloire est individuelle, souvent en cyclisme sur route, mais c'est un travail d'équipe, c'est un vrai jeu d'échecs sur les routes lorsqu'on est dans le peloton. Et un entraîneur de niveau 4, dis-je bien, chef entraîneur des énergies cardio, est avec la formation David Dulude pour nous parler justement de la préparation des dames. Oui, bonjour à tous. On vient de parler de commanditaires, mais pour les honorer, il faut performer puis faire des compétitions. Donc, on va regarder ensemble, je vais un peu vous dépeindre notre calendrier pour cette saison. On va commencer la saison avec l'équipe au Grand Prix de Contrecœur. On va commencer ça le 19 avril. Ça va nous emmener, avec le Grand Prix de Brossard puis le Grand Prix de Saint-Raymond, à pouvoir participer à notre première course UCI en équipe qui va être à Philadelphie le 2 juin. Par la suite, on va avoir un déroulement là, aussi le 6, le 7. On revient au Québec pour une autre course UCI, un contre-la-montre et une course sur route à Gatineau. Puis ensuite, va commencer les mardis cyclistes de la Chine pour une période de 10 semaines où on va participer à ces courses-là. Ensuite, on a un événement important pour nous le 15 juin. On a une course qui est organisée par nous-mêmes et notre commanditaire Macogep à Saint-Alphonse de Rodriguez. Donc, on vous invite à venir voir ça en grand nombre. Ensuite, il va arriver le championnat canadien au lac Mégantic. Tout le monde connaît la petite histoire là-bas, ça risque d'être émotif pour nous qui avons participé à ces courses-là l'an passé, du 26 au 28 juin. Le but, bien entendu, c'est de revenir de là-bas avec une médaille au cou. On va après ça s'en aller à Vancouver pour deux événements. Le Tour Delta et puis ce qu'on appelle la Super Week, qui est une semaine de course qui va se dérouler du 9 au 12 juillet. Ensuite, il va y avoir encore des courses ici, le Grand Prix de Saint-Calix qu'on risque de faire aussi et le Tour de la Montérégie. Tout ça pour nous préparer au championnat québécois, que là aussi on va tout faire pour ramener une médaille, n'est-ce pas les filles?
Et puis bon, ben après, c'est les championnats mondiaux, donc on espère avoir des filles qui puissent se qualifier pour l'équipe nationale et se rendre à cet événement. Ben, il va y avoir aussi les Panaméricains, hein, on en a parlé, Panaméricains à Toronto, donc c'est quelque chose d'intéressant et important pour nous. Si on peut avoir des filles qui se pointent là, on va être bien heureux. Et puis, ben, notre objectif tout le temps, nous autres comme équipe, c'est notre rêve, c'est d'emmener nos athlètes à participer aux Olympiques, les prochaines à Rio. Ce serait bien agréable d'avoir des membres de notre équipe là-bas. Et puis, on a un objectif, bien entendu, pour 2015-2016, c'est de redevenir une équipe UCI, de revoir notre label UCI qu'on avait l'an passé. Donc, on va travailler fort au niveau des résultats, hein, il ne faut pas se cacher. On n'aura pas ce label-là, il ne donne pas ça automatiquement, il faut le mériter. Donc, on va travailler fort pour ça. Bon. Ensuite, ben, je tiens à souligner qu'on a quand même des athlètes qui vont participer avec l'équipe nationale à des compétitions internationales comme la prochaine qui est au calendrier pour eux, c'est la Flèche Wallonne. Et on a Catherine qui va être là-bas avec Stéphanie. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, ben, on a quand même eu des bons résultats intéressants au niveau international cette saison avec les Coupes du monde sur piste. Où Stéphanie a participé avec l'équipe de poursuite, l'équipe nationale de poursuite par équipe, avec des bons résultats, une deuxième position à Manchester et une première position au Mexique. Ça fait le tour là, pour notre calendrier. Sinon, le reste, ben, il y aura toujours des ajustements au cours de la saison selon nos performances et puis le nombre de personnes qui va rester en forme. On espère pas avoir de blessés, mais des fois, ça change un petit peu notre planning. Merci, M. Dulude. Et évidemment, avec le vélodrome aussi qui s'en vient à Milton, il y aura deux épreuves internationales, dont les championnats canadiens. Je parle international au niveau des points. Et il y aura l'Invitational qui sera tout juste avant. Alors, quelques-unes de ces dames, on risque de les voir sur piste aussi dans cette année qui s'annonce fort intéressante puisque nous sommes à la porte maintenant des Jeux panaméricains et une étape très importante avant de se présenter à Rio. On parle depuis le début, Gérard, de l'importance d'avoir ces partenaires avec nous et je crois que tu aimerais dire quelques mots et inviter quelques personnes à dire quelques mots avant qu'on passe à nos questions. Évidemment, il y aura les questions ensemble ici et on aura également la possibilité de faire des entrevues une à une avec les dames. Alors, Gérard? Alors, je reprends la parole comme Michael mentionnait, sans le support vraiment définitif de nos partenaires financiers et puis matériels, je pense que c'est très très important pour nous là, de pouvoir donner la parole à ces gens-là, puis de vraiment de leur implication face à nous. Fait que si je peux me permettre de vous annoncer un petit peu, donner un petit mot. Un petit mot d'explication sur ce sujet-là. Sylvie, de chez la compagnie SAS, qui est notre commanditaire principal, qui nous supporte depuis 2 ans. L'année passée, elle a supporté une de nos athlètes qui était affiliée avec l'équipe SAS. Et cette année, ils ont fait vraiment le grand saut pour nous aider à développer encore de plus en plus nos athlètes. Alors, encore une fois, bonjour et merci aussi d'accepter notre commandite. en tant que compagnie internationale privée, SAS, comme Michel le disait, nous sommes dans l'analytique avancée, donc tout ce qui est gestion des données. Mais avant tout, avant et au-delà d'être un aviseur de confiance auprès de notre clientèle d'affaires, SAS a beaucoup de mérite, je dirais, pour justement s'impliquer au niveau des communautés et entre autres au niveau du sport. Et on a développé des solutions pour tout ce qui est l'analytique sportive. Et cette année, étant passionnée aussi du vélo et provenant d'un milieu de compétition de ski alpin, où justement, je sais, au niveau de la commandite, c'est pas toujours évident d'aller chercher. Je trouve qu'on avait une responsabilité à soutenir une équipe sportive. On a trouvé l'équipe de Michel et Gérard, l'équipe féminine,
Et on voulait aussi que ce soit une équipe féminine qu'on soutenait. Alors, on est allé chercher, avec votre aide aussi, c'est pas juste moi, c'est d'aller chercher une aide et de vendre un projet auprès des exécutifs de SAS. Au-delà d'une commandite financière, on s'est dit peut-être qu'on peut mettre à profit aussi notre solution d'affaires qui est l'analytique sportive. Et on s'amuse là à développer un logiciel d'analytique avancée pour justement aider les filles et leurs coachs à atteindre des niveaux, un autre niveau et faire la différence avec ce logiciel-là. On est vraiment en première étape où on collecte les données et on a une certaine gestion des données à faire, un certain ménage, nettoyage à faire pour par la suite le mettre dans une solution qui s'appelle la visualisation de données. Donc, il y a un accès rapide aux données et qui pourrait, nous, ultimement, ce qu'on veut faire, c'est d'optimiser la performance des athlètes. Donc, d'arriver à dire, OK, on a tel entraînement, est-ce qu'il y a une nécessité de peut-être reviser le plan d'entraînement ou est-ce que, justement, on voit certains critères et on pense que telle fille pourrait très bien performer à telle course? Alors, ça peut être une multitude de choses qui parfois nous réservent aussi des surprises qu'on n'aurait pas nécessairement planifiées si on le faisait manuellement. Alors, grâce à vous, on va pouvoir développer cette solution-là et ça nous fait plaisir de le faire aussi de tout cœur. Alors, c'est l'implication de SAS cette année. Et aussi, c'est sûr qu'une compagnie, une grande compagnie, parfois, a beaucoup de sous, mais il faut justifier cet investissement-là. Et en même temps, je veux passer le message... Ça, c'est là, oui, pour soutenir l'équipe, mais je lance l'appel à tout le marché aussi, des entreprises privées, à justement soutenir des équipes ou une équipe sportive et contribuer, parce qu'on sait que le gouvernement peut en faire jusqu'à une certaine portion, mais ça vient vraiment du privé. Et il faut croire et puis il faut tout simplement développer son propre programme de commandite avec une équipe. Alors voilà, c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Je pense qu'on va avoir un bon petit chemin à faire avec la compagnie SAS. Je pense que c'est très excitant pour les athlètes aussi de pouvoir avoir cet outil supplémentaire définitivement. Je voulais présenter Mazda avec M. Robert Landry, qui est supporter qui est un amateur de vélo aussi comme nous, et qui est un grand supporter de chez Mazda depuis des années aussi. Merci Gérard. Bonjour, mon nom est Robert Landry de Mazda Canada. Encore une fois, cette année, on est très heureux de supporter l'équipe de Gérard et de Michael et de son équipe, et d'équipe aussi des filles qui performent. Cette année, encore, on fournit les véhicules pour le Canada et les États-Unis. Notre but est peut-être d'aller plus loin encore et de peut-être travailler au niveau européen. Donc, c'est un but qu'on va probablement atteindre avec Gérard. Pour la suite des événements, encore une fois, bonne chance les filles. Pas trop de blessures, s'il vous plaît. Et faites-nous plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais parler aussi de Macogep, qui est notre commanditaire, un de nos commanditaires principaux. Le propriétaire, le président de Macogep n'est pas là présentement, mais on a Dunia qui fait partie du comité des communications de l'équipe et qui est dans notre CA aussi et qui travaille très très fort pour divulguer l'image de l'équipe, que je vous la passe. Merci, bonjour à tous. Alors très très brièvement, donc, je vais vous parler de l'implication de Macogep. On est une firme de gestion de projet. L'implication de Macogep dans l'équipe, elle est due à trois raisons. D'abord, il y a une passion pour le cyclisme qui est partagée par notre président, mais plusieurs personnes parmi nous. On est nombreux à venir en vélo, au bureau, il y a des vestiaires, des douches qui ont été aménagées, on fait partie de l'ACDA, etc. Notre président organise plusieurs courses aux quatre sommets, dont des courses cyclistes, et il nous encourage toujours à partager, à se dépasser
pour y participer, quel que soit notre âge et notre condition physique. Donc il y a une passion d'abord pour le vélo. Ensuite, il y a une très très forte adhésion aux valeurs que véhicule le sport et le cyclisme en particulier, et puis surtout l'équipe de Gérard. C'est le dépassement continuel, la détermination d'aller au bout de ses passions, de ses rêves, et puis un mode de vie sain et actif. Donc des valeurs qu'on prône à l'interne et qui étaient très très importantes pour nous. Et puis aussi l'envie d'aider des jeunes à se dépasser, à réaliser leurs rêves et apporter une aide financière, une aide dans l'organisation d'événements comme aujourd'hui, comme des courses, pour leur permettre de se réaliser jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que chez Macogep, on est extrêmement fiers de participer à ce beau projet. Pour nous, c'est une relation d'échange parce qu'au contact de cette équipe et de ces hommes passionnés qui se dévouent et qui sont passionnés, on en apprend énormément. Donc on le considère vraiment comme une relation d'échange et on est extrêmement honorés et fiers de faire partie de cette famille. Merci Gérard. Merci beaucoup Donia. J'inviterai notre partenaire depuis le début, comme Mazda Specialized, qui est avec nous depuis 2006. Le président, M. Larry Coury, n'est pas là présentement aujourd'hui, mais Larry, je le connais depuis plus de 15 ans. Et quand il m'avait approché en 2006 pour lancer les produits féminins, c'était la première compagnie au monde de lancer des produits féminins. On a monté cette équipe féminine en 2006 et depuis le temps, il nous supporte. Et on a une représentante aujourd'hui du marketing de chez Specialized. Merci beaucoup. Donc, Specialized est très fier de supporter l'équipe SAS Mazda Majosep depuis 2006 avec des produits conçus spécifiquement pour femmes, tels que le vélo Amira ici, les beaux souliers S-Works que vous pouvez voir, donc pour qu'ils peuvent atteindre l'excellence. Donc, la grande famille Specialized vous souhaite une excellente saison cette année et bonne chance. Merci beaucoup. Ça fait que je voulais continuer avec la compagnie Lacasse, on est très choyé parce que la compagnie Lacasse est une compagnie québécoise qui veut s'implanter dans le monde du vélo. Ils sont très 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 présents dans le monde du sport, dans le monde du sport en général, dans plusieurs domaines que Madame Manon va vous expliquer. Et on est très fiers de porter ces vêtements-là et puis de développer aussi ce produit parce que c'est comme un partenariat aussi qu'on fait avec eux. Et puis pour nous, c'est très très important un partenariat comme celui-ci. Bonjour les filles. Écoutez, c'est un plaisir de l'entreprise Lacasse de faire partie de votre famille cette année. Écoutez, oui, l'entreprise Lacasse est une jeune entreprise canadienne. Nous sommes situés à Montréal. Et puis, depuis quelques années, nous nous spécialisons dans les vêtements de vélo. Donc, depuis les trois dernières années, en plus de travailler avec le 24 heures de Tremblant, l'armée canadienne, cette année, nous avons la chance de travailler avec l'équipe nationale de vélo. Donc, les filles, cette année, je vous souhaite bonne chance et puis c'est un plaisir de partager cette journée avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Manon. Maintenant, j'aimerais vous présenter Marianne, qui est la compagnie Extract, qui fait nos produits Fruits 2, qui est, je pense que les filles, c'est un produit phare. C'est un produit que, quand je courais, quand j'étais tout jeune, ça fait très très longtemps, on mangeait que ça, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas, les gels et puis ainsi de suite. Et quand j'avais 14-15 ans, quand je faisais les courses en Europe, c'est ce genre de produit que je mangeais. Fait que j'étais tellement content de la connaître ça l'année passée, là, qu'on a tous succombé, les filles ont succombé au produit. Fait que j'ai Marianne qui va vous expliquer un petit peu plus. Merci beaucoup, Gérard. Bonjour à tous. Donc, Marianne Regnault, présidente d'une start-up, Exact Nutrition. Donc, nous sommes lancés dans l'aventure d'Exact Nutrition il y a un tout petit peu plus d'un an maintenant, avec le premier produit dont Gérard parlait il y a un instant, qui est Fruits Carrés. Donc, Fruits Carrés, c'est une barre de fruits énergétiques. C'est une alternative au gel énergétique, donc qui, d'un point de vue nutritif, fonctionnel, va amener la même quantité de glucides, en fait, qu'un gel énergétique. Grosse différence, c'est vraiment le goût et la texture. C'est fait à partir d'ingrédients uniquement naturels, principalement de la pulpe de fruits. Et puis, comme disait Gérard, c'est un produit qui, en France, entre autres, existe depuis longtemps, entre autres dans le monde du cyclisme. Et en fait, on l'a amené au Canada en développant
notre propre marque, en développant notre propre packaging, etc., qu'on a lancé pour le monde des sports d'endurance ici l'année dernière. Comme je disais, grosse différence, le goût et la texture, ça goûte vraiment extrêmement bon grâce à cette pulpe de fruits. Et c'est très, très facile à manger. Donc, pour ceux qui sont habitués au gel, vous pouvez savoir ce que c'est. Je reconnais un certain nombre de visages. Dur à manger, dur à avaler, surtout pendant l'effort. Ça, vraiment, c'est un produit qui fond dans la bouche, qui descend très, très bien. Et donc, qui se prend très, très bien aussi, dû à son format qui est très petit. Donc, premier produit pour lequel on a eu la chance de connaître Gérard, Michael et toute l'équipe il y a quelques mois. Et avec une équipe avec qui, déjà, ces derniers mois, on a fait un travail sensationnel. Et ce que j'aimerais souligner de la part de cette équipe, c'est ce travail d'échange dont on parlait tout à l'heure, qui a été extraordinaire pour nous aussi, dans le sens où on est très, très fiers de commanditer les 8 athlètes, de les énergiser pendant l'effort avec des fruits carrés. Mais on a aussi cette chance d'avoir ces athlètes et toute l'équipe de support aussi qui, en retour, et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu dans aucun autre commandite à date, c'est toute l'aide qu'ils nous apportent aussi grâce à leurs contacts, etc. Donc, vraiment extraordinaire. Et puis, notre deuxième produit qu'on a lancé cet hiver, c'est ProCrunch. ProCrunch est une barre, une gaufrette protéinée pour la récupération après l'effort. Donc, 15 grammes de protéines de lait, de whey protein, dans une gaufrette de 50 grammes. Et une fois de plus, la différenciation par rapport à un certain nombre de produits qui sont sur le marché, c'est le côté goût et texture. Donc, ça goûte très bon. Ça se défait très très bien en bouche et ça se mange très facilement. Troisième produit qui s'en vient le mois prochain, que les filles auront la chance, certaines des filles ont déjà commencé à goûter et d'autres vont goûter très prochainement, Fruit Cube, le petit frère de Fruits Carrés. Donc Fruits Carrés avec caféine, électrolytes et antioxydants. Produit qu'on a développé cet hiver suite au retour, aux commentaires d'un certain nombre d'athlètes d'endurance, de cyclistes qui l'ont utilisé l'année passée, mais également de triathlètes et de coureurs d'endurance qui disaient, pour les compétitions en particulier, j'aimerais ça avoir ma caféine, j'aimerais ça avoir des électrolytes. Donc, on a passé l'hiver à formuler ce produit, on aura l'honneur de le lancer sur le marché le mois prochain. Donc, un gros merci à toute l'équipe, un gros merci aux athlètes et bonne saison. Et aussi, ben là, je voulais parler à Monsieur Pierre Jérôme, qui est la compagnie Imagix, qui est le fondateur de la compagnie Imagix, qui supporte nos athlètes au niveau médical, qui est une nécessité pour des athlètes de ce niveau-là, parce que si la moindre petite chute, c'est certain qu'on a besoin d'avoir de soins de ce genre-là. Bonjour. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Imagix en radiologie, c'est un réseau de 12 cliniques qui couvre entre Saint-Jérôme et Granby. Les soins qu'on offre, c'est des soins généraux pour la radiographie, mais aussi on a deux axes de spécialité. Première pour le dépistage du cancer. Le deuxième, tout ce qui est musculo-squelettique, autant diagnostic et intervention. Donc, on a un peu une police d'assurance pour l'équipe. S'il y a des choses à vérifier, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. On va pouvoir, avec les radiologues et l'expertise qu'ils ont, aider pour ce qui est du diagnostic au niveau des blessures. Donc, bonne chance, bon succès cette année. Merci. Merci beaucoup. Il me reste deux personnes que je veux présenter aussi. Monsieur Alain Henry de chez la compagnie de la Banque Scotia, pardon, qui nous supporte cette année, qui œuvre dans de multitudes de sports. Et on a la chance de les avoir, nous, cette année. On les a attirés avec le beau sourire de ces dames-là. Merci beaucoup, Gérard. Vous avez été très perspicace puis vous avez réussi. Fait que bravo. Fait que si toute l'équipe a la même détermination, vous allez aller très loin cette année. Fait que nous autres, on apporte strictement une contribution financière cette année. Nos produits ne sont pas vraiment liés à l'industrie du cyclisme, mais on est là en pensant avec vous puis on vous appuie dans votre dévouement puis dans vos passions. Fait que bravo. Merci beaucoup, Alain. Puis j'aimerais présenter la dernière personne importante pour nous, comme je le mentionnais tout à l'heure, la FQSC, qui est la Fédération québécoise de cyclisme québécoise, qui nous supporte depuis des années, qu'elle fait un travail énorme. Monsieur Louis Barbeau, qui est le président de la Fédération, est ici aujourd'hui. On est vraiment chanceux de l'avoir parce qu'il est très occupé. Et j'aimerais ça lui tendre le petit micro pour qu'il dise un petit mot qui n'était pas prévu. Alors, merci Gérard. Directeur général, pas président, c'est pas payant être président.
Écoutez, moi, je tiens surtout la raison pour laquelle je tenais à assister à la conférence de presse, c'est que, comme Gérard l'a mentionné, le cyclisme féminin a permis de développer de grands athlètes au fil des dernières années. Il y a certains de ces athlètes-là qui sont passés par l'équipe que Gérard a mis sur pied en 2006. Il y a plusieurs athlètes qui sont présentes ici qui ont connu du succès au cours des dernières années, puis il y en a certaines qui auront l'occasion de représenter l'équipe canadienne encore pendant plusieurs années. Donc, je trouve qu'il est important. On parle évidemment, le cyclisme masculin bénéficie d'une très large couverture médiatique. On le voit à travers les événements qui sont télédiffusés. Le cyclisme féminin n'est pas encore rendu là. Il y a des efforts importants qui sont consentis par l'Union cycliste internationale pour donner un peu plus de visibilité. On a le circuit de la Coupe du monde. On a la chance d'avoir deux épreuves internationales au Québec à Gatineau. Et je pense que ça prend des équipes comme celle de Gérard pour pouvoir justement assurer le développement du cyclisme féminin, donner l'opportunité aux athlètes de pouvoir se mesurer à l'élite internationale, de faire des compétitions aux États-Unis. Et évidemment, je tiens à remercier aussi tous les partenaires, les commanditaires qui sont associés à cette équipe-là. Vous avez une athlète comme Caroline Canuel qui aujourd'hui est âgée de 24 ans, qui évolue sur le circuit international. Elle a remporté tout récemment une course aux États-Unis. C'est une des 25 meilleures athlètes au monde actuellement, mais c'est une équipe comme celle de Gérard qui lui a permis justement de cheminer, de pouvoir continuer de progresser. Et je suis persuadé que d'autres athlètes qui sont présentes ici aujourd'hui auront cette même opportunité-là. Donc, je tiens encore une fois à féliciter et remercier Gérard et l'ensemble des partenaires qui permettent aux cyclistes féminins de continuer de se développer. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci infiniment d'avoir pris la parole, tous et chacun, et merci de votre patience aujourd'hui. On a commencé quelques minutes en retard, mais il manquait des joueurs clés pour la présentation. On peut ouvrir le plancher à l'instant pour des questions. Sinon, à la suite, les dames seront disponibles pour des tête-à-tête, bien sûr, pour des entrevues et non un souper romantique. Je vous invite à leur poser des questions comme on a parlé et comme on a vu, ces dames ont quand même des pédigrés, des palmarès très intéressants et ça ne va que s'améliorer cette saison. Et est-ce qu'il y a des questions en ce moment? On peut ouvrir le plancher. Any questions for anybody right now for the team? There will be one-on-ones available after. C'est bien. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui termine cette présentation de la formation SAS Mazda Makogep. Je vais m'habituer parce qu'à chaque année, tu me fais le tour, tu changes deux ou trois commanditaires. Et juste comme je m'habitue, et évidemment propulsé par Specialized, un gros merci encore une fois à nos amis des médias. C'est extrêmement important pour nous d'avoir votre présence aujourd'hui parce que c'est la seule façon que ces dames vont avoir un peu de couverture dans ce monde sportif qu'on sait est très, très, très chargé, surtout à ce temps-ci de l'année. Merci aux partenaires. Merci, mesdames. Meilleure des saisons. Best of luck this season. On va vous revoir évidemment à plusieurs reprises et on l'espère sur les réseaux qui sont ici aujourd'hui où on va pouvoir parler de leur performance. C'est ce qui complète cette présentation. Je vous invite à rester pour parler avec les dames. Il y aura un petit goûter qui sera servi également. M. Désilet Penaroya et également M. Dulude seront disponibles. Merci beaucoup. Bonne saison. Thank you everybody and have a great season. Merci.